Bonjour et bienvenue dans les bases du langage Swift. Swift est un nouveau langage de programmation introduit par Apple en juin 2014 et qui permet de développer des applications pour appareils iOS, iPhone, iPad, iPod et maintenant Apple Watch, ainsi que des applications pour Mac. Jusqu'à présent, un tel développement passait nécessairement, ou presque, par le langage Objective C. Swift est présenté par Apple comme étant un langage qui est à la fois moderne, Sûr et puissant. Moderne tout d'abord car Swift adopte une syntaxe plus facile à lire que celle de son prédécesseur. La mémoire est gérée automatiquement, beaucoup de ponctuations ont disparu. Sûr ensuite car Swift est construit pour prévenir les erreurs au cours de l'exécution du programme et donc éviter les bugs. Enfin, Swift est présenté comme étant très rapide et puissant. Et ceci s'en ressent dans la performance et la vitesse d'exécution dans les applications. Swift est donc plus rapide qu'Objective C et d'autres langages tels que Python. Xcode reste le logiciel nécessaire au développement d'applications iOS et Mac. La version 6 apporte une nouvelle fonctionnalité très pratique appelée Playgrounds. Playgrounds permet de visualiser instantanément les résultats des lignes de code que vous écrivez sans compiler l'application et la lancer dans le simulateur. En d'autres termes, Playgrounds fonctionne un peu comme un cahier de brouillon. Swift est un langage orienté objet. Nous allons donc couvrir des concepts tels que les propriétés et méthodes, comment les définir et les initialiser, utiliser des protocoles, etc. etc. Nous aborderons également des aspects jusque-là absents d'objective C, tels que les retours multiples et les optionnels. Rentrons directement dans le vif du sujet et commençons cette nouvelle aventure en explorant les bases du langage Swift.